Cette année consacrée à Itsuo Tsuda, nous l'avons pensée telle une mosaïque qui s'assemble par de nombreuses pièces. Le blog dédié à Itsuo Tsuda permettra d'aborder tout au long de l'année les multiples facettes de la philosophie pratique que cet homme a découverte et transmise. Les divers éclairages, angles d'approche et témoignages qui y seront proposés constituent les pièces d'un puzzle qui se met en place. Et petit à petit se dégagera une vision d'ensemble. Né en 1914, Itsuo Tsuda aurait eu 100 ans cette année. Se reconnaissant avant tout philosophe, c'est un maître méconnu du grand public. Personnage atypique, farouchement indépendant, c'est lui qui introduisit le mouvement régénérateur en Europe au début des années 1970. Il est également une figure incontournable de l'aïkido en France. À travers les 9 livres qu'il publia en français, la voix d'Itsuo Tsuda résonne encore aujourd'hui. Hors de tout folklore oriental, la pensée que nous livre Itsuo Tsuda arrive, je crois, à point nommé, à un moment où l'Europe cérébralement surdéveloppée commence à réfléchir sur son mépris traditionnel du corps. La France, vous la connaissez bien, vous avez travaillé avant les années 40, avec deux personnages extrêmement importants, Marcel Granet et Marcel Mauss. Après cette période française, après cette période parisienne, vous rentrez au Japon, et là, nouvelle rencontre absolument décisive, celle de Maître Shiba, le créateur de l'aïkido, et celle de Maître Noguchi. Maître Shiba, j'ai travaillé juste 10 ans, pendant 10 ans, avant de venir en France. Eh bien, il m'a donné la possibilité, autre que l'individu enfermé dans la peau. L'originalité d'Itsuo Tsuda tient au fait d'avoir réuni deux approches complémentaires dans la recherche qu'il poursuivit toute sa vie, aussi bien sur les tatamis que sur papier, autour du ki. Cette création d'une école particulière réunit la pratique du Katsugenundo, qui découle du Seitai, technique qu'il étudia auprès du fondateur Haruchika Noguchi pendant 20 ans. Maître Noguchi m'a permis de voir les choses d'une façon très concrète. Et à travers ces manifestations de chaque individu, il est possible de voir ce qui agit à l'intérieur. C'est-à-dire l'individu concret dans sa totalité. Votre désir, c'est de mettre les gens en contact avec eux-mêmes, avec leurs sensations, et par là même avec ce qui, cette notion qui échappe au concept, et qui est une notion mouvante, qualitative, et non pas quantitative. Il y a un principe qu'on reconnaît dans la médecine chinoise, c'est la tête froide et les pieds chauds. Actuellement, c'est justement le sens est inversé. La tête chaude et les pieds froids. Hein? On ne sent même pas les pieds. Et puis la tête s'échauffe de plus en plus. Il y a tout un facteur qui contribue à faire ça. C'est l'occidentalisation. Mais on ne peut pas rebrousser le chemin. Petit à petit, ma respiration s'approfondit et je crois arriver à sortir de moi-même qui est enfermé dans ce petit cadre. Je fais tout seul, mais quand je me retourne, il y a des gens qui arrivent de bonne heure pour faire la même chose. Je peux pas leur dire, ah non, ça ne vous regarde pas, rentrez chez vous. Ils sont libres de venir faire ce que je fais. Voilà. Maître Tsuda nous a laissé un enseignement qui se continue encore aujourd'hui, d'ailleurs, à travers ses élèves. L'école Itsuo Tsuda est née d'un besoin et du désir de nombreux pratiquants dans les dojos d'Europe de s'unir pour donner une plus grande possibilité à cette transmission.
et aussi pour permettre de la partager dans le quotidien. Alors Itsuo Tsuda, est-ce que vous ne vous êtes pas donné une tâche surhumaine à essayer d'expliquer ça à travers notre pensée, à travers nos concepts et à travers notre philosophie, puisqu'enfin vous êtes écrivain, vous êtes philosophe et vos ouvrages en font foi. Et ce que je fais, c'est de ramener tout le monde à retrouver la racine. Ce que je fais, au fond, c'est des choses extrêmement simples. Mais j'ai constaté que les choses simples venant du Japon, sitôt qu'on importe en Occident, on commence à les compliquer. Eh bien, cela est dû à la structure mentale occidentale. Alors, c'est comme dit dans le précepte zen, le doigt qui montre la lune n'est pas la lune. Et puis on commence à analyser le doigt, et puis on discute, mais on ne regarde jamais la lune. L'école Itsuo Tsuda célèbre cette année le centenaire de ce maître. C'est une occasion unique de découvrir cet homme hors du commun. Nous lui rendons hommage. Venez le découvrir.